Console Mania, c'est plus fort que toi. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Console Mania, bienvenue sur, plutôt dans l'épisode 38 de la saison 5. Je suis actuellement en PLS. Peut-être tout le monde ne va pas comprendre, ce matin, j'avais laissé la console allumée. À un certain endroit et ça a planté. Voilà, ça a planté. Et comme ça a planté, afin de ne pas recommencer à zéro, ce que j'ai fait, c'est que depuis 18h actuellement, j'étais en train de recommencer le jeu pour la 50e fois. Au bout d'un moment maintenant, voilà. Et pour vous, afin que vous ne supportez pas un troisième recommencement, j'ai tout donné. On est presque à la pyramide. Là, je fais le truc de continu. Après, je vais chercher les vies. Et normalement, là, il faut retourner à Alexandrie pour donner la potion magique à Edifix. Et après, il va me donner le pass pour aller voir Cléopâtre. Et on va rentrer dans la pyramide. Enfin, il y a le niveau avant, mais le niveau avant, ça va. Mais voilà. Je dis bizarre parce que j'ai l'impression de bien connaître le jeu, là. Il y a un bout de moi qui me dit, tiens, c'est bizarre, je pourrais fermer les yeux, le faire tout seul. C'est pas un mauvais jeu, hein. Mais bref. Et du coup, pour te répondre, Azur... j'avais un meilleur feeling sur le 2 tout simplement parce que j'ai un affect avec Breath of the Wild et pas avec les autres jeux en fait. Même si j'ai fait les autres Zelda, oui. Je pense que clairement le fait que Hyrule Warriors 2 passe mieux, c'est que c'est le graphiquement c'est cohérent avec ce que j'ai déjà vécu, enfin ce que j'ai déjà avec Breath of the Wild, et puis c'est à peu près tout. Après, le jeu était plus fluide sur le Hyrule Warriors Definitive Edition sur Switch, est à 50 à 50 FPS, donc voilà. Certains points de gameplay, j'ai pas assez joué pour être un crack du gameplay de Hyrule Warriors, et je pense pas que je ferais l'insulte de dire oui, non mais en fait Hyrule Warriors 2 est vachement mieux, tout simplement parce que c'est vachement mieux. Salut. Mais j'imagine, Azur, toi, que tu as un avis bien précis. Tu as peut-être tu t'es fait peut-être un avis par rapport à ça, tu t'es peut-être posé la question par rapport à ce que je t'ai peut-être dit, et tu as sorti une conclusion, une analyse. Est-ce que tu as réalisé un protocole? Bref, du temps que tu me dis, sachez que pour ceux qui viennent d'arriver et qui se demandent, mais dis donc Sapin, pourquoi tu n'es pas à la pyramide? C'est normal, le jeu a planté, j'ai recommencé à zéro et j'ai recommencé hors stream, et là il fallait finir. Voilà. Ça fait la 50e fois que je recommence le jeu. Je suis actuellement dans un état proche de j'ai envie de tout péter, mais vous savez, ça serait mentir que de dire que c'était désagréable, parce que je lui ai ouvert la tête au jeu. C'est-à-dire que il y a des niveaux
je les ai faits avec 0 point de vie. Et j'ai regardé le jeu dans les yeux et je lui ai fait « Mais je meurs pas, mec. Tu me prends pour qui ?» Voilà. J'ai mal parlé de sa maman plusieurs fois. Pas de soucis. J'ai pas peur, moi. J'ai même envie de dire qu'il y a des niveaux. J'ai regardé le checkpoint et je lui ai fait « Mec, pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi ?» Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà, pour te dire, c'est... Ah, c'est chaud, hein. Merci pour le bon courage. Ce semble être un crack, j'ai grave dosé le 1, je suis arrivé au 2, je me suis dit, je vais bourrer pareil, ça va passer au cam. Bah non, j'ai une nette impression qu'on doit grave moins bourrer. Alors, j'ai une théorie par rapport à ça, et la théorie, c'est tout simplement que Breath of the Wild amène sa manière de fonctionner, Azure. Et la manière de fonctionner, enfin, t'as des esquives parfaites que je crois pas qui existent sur le 1, ou alors, si ça existe, bah, je suis pas au courant. Donc je les ai jamais faites. Et t'as le système... je sais pas si tu broques aussi... si tu broques dans le 1 également... Je t'avoue, je sais pas. Après le gameplay, vraiment, je m'y connais pas. Hein. Je m'y connais pas parfaitement bien. Donc je peux pas. Je peux pas dire en fait. Mais. Il y avait les esquives. Et les trucs avec. Ouais, bah. Peut-être ils ont dynamisé. Enfin, ça serait pas choquant. D'un jeu à l'autre, ils essaient de dynamiser le truc. Ou alors ils essayent de modifier certaines choses et pour le rendre peut-être plus intéressant, aller dans un autre sens. Enfin bref, un Musso. Les Musso ont très clairement comment dire, sont décriés depuis. depuis toujours. C'est comme les MMO, hein. Y a certains qui te diraient que les MMO, la seule chose que tu fais, c'est d'appuyer sur des boutons, mais genre d'appuyer sur ton bouton de sort, et de toute façon, personne lit l'histoire, on s'emmerde. Bon, bien sûr, c'est faux, mais je suis sûr qu'il y a plus d'une personne qui pense ça. Bon, j'ai 9 vies. Le continue. Je vais pouvoir aller donner à Panoramix la serpe. Parce que bien sûr, je suis allé à la lutesse également. Donc là, je vais lui donner le pétrole. Il va me donner la potion magique. Yes. Je retourne en arrière. Je vais sur la plage. Bonsoir, Sève. Le t-shirt noir, c'est pour Halloween. Non, c'est le jeu vidéo qui est pour Halloween. Alors là, tu vas me dire, comment ça? Bah oui, quelle horreur. Quelle horreur, ce jeu! Quelle horreur! Pardon. Excusez-moi. C'est l'émotion. Ah mais j'en ai plus rien à faire. Hein. Le jeu, je le regarde et je lui fais mais mec, tu vois pas, j'ai pas le temps là. Attends mec, on a tellement pas le temps. Mais du coup, il est un peu moins dynamique. Oui. Ah bah oui, bah après bon ça. Je vais réussir à le... Non, là, Yellow Croc, écoute. Je sais que c'est Halloween et que tu dois peut-être essayer de me... de me faire peur, mais bon, il y a des limites, là. Donc, le but est d'essayer de rentrer dans la... dans là. Dans la pyramide, et dès que je serai dans la pyramide, bah, ça sera gagné quoi. Bah, ça sera gagné. Bah, t'as compris quoi. Hop.
Alors, il faudrait donner une note au jeu. Hein, je commence à avoir une idée assez précise de la note du jeu. Toutefois, pour ne pas revenir sur ce que je vais dire, je préfère ne pas vous donner ce que j'en pense. Enfin, je veux pas vous dire ce que j'en pense pour pas que vous me dites mais attends mais ça pas mais t'avais dit que voilà. Ouais, vous parlez comme ça, je sais. C'est compliqué. C'est pas facile. Mais sachez. Ah mais avec plaisir, Azur. Et sache que on pourra reparler quand on ira jouer. Enfin, on va être pas mal à y jouer, je pense, ici. Donc, je crois que... Alors, je suis pas sûr, mais les gens qui viennent ici, il y a des chances, souvent, qu'ils aient la Switch. Ça, c'est assez choquant. Mais voilà. Alors, j'ai appris un truc. Alors, attendez, j'ai appris un truc. Il fallait absolument que je vous le montre. J'ai appris à grab. À grab. Alors, vous allez me dire comment t'as fait. Eh ben, bah, j'y arrive plus. Voilà. Ça va? Moi, ça va pas. j'ai réussi à grab deux fois de suite. En gros, tu fais un coup comme ça. Et je crois que si tu vas vers le. Enfin, c'est comme les beat'em up. Si tu vas vers l'ennemi, tu grabes. Voilà. Ah merde! Ouf, j'ai failli mourir. Ça veut dire qu'il aime au final qu'il va claquer la première note bleue. Alors. J'arrive pas à savoir si quand Yellow Croc dit première note bleue, ça veut dire que il ne regarde jamais, j'ai bien dit jamais, jamais le G-Doc, ou c'est parce qu'il m'aime pas. Moi je pense que c'est un peu des deux. J'en suis sûr. Je pense que c'est un peu des deux, clairement. Donc la dernière fois, on était... Donc là, il fallait que je monte là. J'étais monté là. Là, je faisais ça. Là, je faisais ça. Donc je vais chercher là. Je descends là. Faut que je descende là, par contre. Voilà. Non. Oui. J'appuie sur ce bouton. Ce bouton va me permettre de passer... Bah non. Content pour toi, mon cher Darkflow. Va pouvoir jouer. Juste par rapport à Pikmin 3, j'ai dit qu'on le ferait. J'ai dit qu'on le ferait pas avant le 2. Alors je vous ai menti. Voilà, il se pourrait que l'on joue à Pikmin 3 avant le 2. Alors vous allez me dire, mon Dieu, au secours. Oui. Vous pouvez déjà vous plaindre si vous voulez. Je suis désolé. Voilà. Je suis désolé. Donc là, il faut monter là et faire ça. Voilà. Voilà, et là, on est au milieu du niveau. Allez, là, on sait pas. Je sais pas. Là, c'est-à-dire que j'ai pas fait le jeu là. Là, je l'ai pas fait là. Mais de toute façon, là, je suis en train de roulade. Je fais des roulades sur le jeu là. Je sais pas si tu te rends compte. Le jeu, je le regarde et je lui dis, je te roule dessus. Et il me dit, mec, t'es pas sérieux? Et je fais, haha! Ouais, je me fous de sa gueule. Bon, après, il va falloir le respecter. Hein, parce que là, ouais, voilà, respecter. S'il vous plaît, respecter. Je sais pas où je vais là. Yes. Yes. Bah oui, yes. Sur yes. Alors, je sais pas à quoi ça sert ces objets dans les bulles. Il y a un petit bout de moi qui pense... Il y a un petit bout de moi qui pense que c'est pour un 100%. Et j'espère que le petit bout de moi, il a raison, parce que imagine,
je te dépeins une scène. Imagine qu'à la fin du jeu, le jeu il te dit mais attends, mais t'as pas fini là? Mais comment ça, j'ai pas fini? Bah oui, là, t'as pas les objets spéciaux? T'as pas récupéré les objets spéciaux? Il a pas récupéré les objets spéciaux? Bah, le mec, il a pas. Quoi? Comment ça, t'as pas récupéré les objets spéciaux? Refais les niveaux, mon gars. En plus, tu peux les refaire. Bonne chance. Et puis, souffle, hein. De toute façon, on est confinés. Ah, donc, t'as le temps. Hein? Allez, salut. C'est bien la musique qui bug, quand même. Je sais pas pourquoi elle bug, mais elle bug. Donc, j'ai activé un switch. J'ai envie de voir si c'est pas en bas le switch. Non, non, le bah oui, le pic, pic, pic dans la tête, pic, pic, pic dans la tête. Ah, Cléopâtre, déjà? Qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Bref, c'est pas grave. Succès contre les Romains en récompense, je t'offre ce que tu désires. C'est ça les tablettes là? Ok, go on. D'accord, donc là. Je me casse. Mais quand il parlait de tablette, il parlait d'un cachet d'aspirine? Lui, je pense qu'il va péter un câble. Il va. Oh! J'allais dire, je pense qu'il allait péter un câble. Pas du tout. Pas du tout! Donc là, on doit aller dans la forêt, recommencer le niveau. Et donner la plaquette. Donner la plaquette? La plaquette. Alors, est-ce que le niveau va changer? Je ne pense pas. Il semblerait que ce soit le même niveau. J'espère que c'est ça ce qu'il faut faire, parce que si c'est pas ça ce qu'il faut faire, bah je me fous en l'air, hein, de toute façon. On adore se foutre en l'air ici. Alors, je tiens à dire également que, vous savez, ce matin, enfin ce midi, on a regardé le long play, et dans le long play, on était aux deux tiers du jeu. Alors, je tiens à calmer vos ardeurs encore une fois, même si je l'ai déjà dit, c'est pas grave, de toute façon, j'adore me répéter. C'est un sport. Si vous vous dites que je suis aux deux tiers et que dans 20 minutes le jeu est terminé, dites-vous que le mec qui jouait, là vous voyez, vous avez l'impression que je vais vite. Le mec, j'ai l'impression que c'est un tasse. Mais quand je te dis que j'ai l'impression que c'est un tasse, tu vois ce que je veux dire. Généralement, on dirait rempart. T'as, le mec, il a l'air de... Il a tout calculé. Mais quand je te dis qu'il a tout calculé... Il était sûrement en train de jouer à un autre jeu en même temps. Il avait pas le temps. Il avait pas le temps. Donc, ce dont j'ai peur, c'est que le long play soit pas un vrai long play et que on soit vraiment aux deux tiers du jeu, mais que le jeu soit plus long que tu ne le penses. Ce qui veut dire que si ça se trouve, j'ai encore une heure de gameplay. Et ce qui veut dire que, attention, attention, et là on est clairement dans le spooky Halloween, si ça se trouve, il va falloir recommencer le jeu. Parce qu'on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri bah, d'un game over parce que je connais pas le niveau. Je suis comme vous là. Hein. Là, je suis comme vous là. Clairement. Alors, nous avons les tablettes de la bibliothèque. Donc là, on va pouvoir retourner en Inde. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Quand je vous dis que... Oula, alors... Non, non, non.
Ah, c'est vraiment spooky Halloween, hein. Ouais. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, c'est moi qui bourre, hein. Ça peut se terminer? Ça fait longtemps là. Que là, il n'y a pas de point de sauvegarde. Imagine je meurs et que je dois recommencer cette phase-là. Est-ce que quelqu'un a envie de la recommencer ici? Personne. Plus jamais. Hein. Attends, il nous ramène chez moi? Ah non. Pourquoi il m'a amené là? C'est pour le thé? Il y avait une histoire de thé, de feuilles de thé. Mais pourquoi m'amener chez les Anglais? Pour le thé, j'imagine, ouais, mais... Mais du coup, pourquoi je suis allé partir... Enfin, du coup, l'Inde... Je sais plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. 8 vies, 3 continues, normalement, ça devrait aller. Hein. Pas 3 continues. 8 vies, 1 continue. Ça devrait aller, normalement. On va la jouer prudent. On va la jouer prudent et puis voilà. Un mec, tu m'auras pas. C'est mort. Mais du coup, je sais pas quoi chercher. Ça va être problématique. Bon, heureusement, c'est souvent de droite à gauche. Enfin, non, de gauche à droite, pardon. Ah. Donc là, je suis sorti. Il fallait pas sortir. Il fallait sûrement aller dans la maison. Donc là, je recommence le niveau parce que... parce que c'est vraiment génial. Allez. Par contre, avec le sourire. Donc, n'hésitez pas à sourire chez vous. Moi je suis en plein. Je suis en train de sourire là actuellement. Oh yes. Le sourire sur les lèvres, ça me. Ça doit se voir. Hein. Ah. Je suis tombé dans un trou. Alors. On va voir si on peut rentrer chez eux là. On peut rentrer. Il y en a un de toute façon qui doit me dire quelque chose. Ah, cool. Toi, ponter du thé anti-climax, tu nous offres une tasse. Ah donc. Non, c'est vraiment pas une blague. Peut-être devrions-nous remettre le thé, ce thé à plus tard, car...
Tu entends dire que Bulbus Crocus dans un camp près d'ici serait où se trouve ce sacré bouclier. Oh, on cherche le bouclier, hein, bien sûr. C'est le but du jeu, en fait. Notre Deus Maxi... Ouais, le sacré machina, voilà. Allons-y tout de suite. Ouais. Ok. D'accord, donc là, on retourne. On continue, j'imagine. Parce que ça y est, on a l'info. Alors, si tu penses que ça va être bouclier puté puis terminé, je pense que tu peux te mettre le doigt dans l'œil, hein, bien sûr. Ou l'œil dans le doigt, je sais pas comment ça se passerait, mais à vous de voir. Ah, bien sûr, hein, c'est une soirée Halloween, sachez que si ce jeu se termine, juste après, c'est... C'est Soir de Sedan, c'est vraiment Halloween. Hein. Pour ceux, hein, bien sûr, pour ceux qui pourraient dire que je fais jamais Halloween, franchement, je sais pas quoi vous dire. Hein. Moi, si c'est pas Halloween. Mais disons que moi, c'est les vrais. Moi, finalement, c'est le vrai Halloween. Parce que ce qu'on vous propose ailleurs, c'est des jeux qui font peur. Mais finalement. C'est pas. Est-ce que c'est vraiment la vraie épouvante? La vraie. Comment dire? La vraie chose épouvantable, c'est tout le reste! Et c'est. Cool, ok. C'est tout ce qu'il y a autour. Tous les jours, il y a des horreurs comme ça. Et... Si vous voulez, voilà. On... Ah, je connais ça. J'ai déjà joué à Shovel Knight, ouais. Ah, pique dans le pied, mais c'est ma faute. Oh, bah c'est sympa ça. Mais c'est sympa. Mais c'est super cool ça. Ça, c'est une bonne ambiance, ça! Je dois remercier qui? Okay. Non, mais il faut pas faire ça. Quoique, il y a une autre chose. Il y a une autre épouvante. C'est les gamins qui viennent te demander des bonbons cette année. C'est un peu la vraie épouvante, en fait. Parce que tu te dis, les parents sont... Les parents sont fous. Peut-être qu'il va me... Il va me tuer. Il va vraiment. Bah, ça amène un petit peu de sel. Dis-moi que c'est une vie. Ah non. Ah, j'aurais dû y aller. Quel dommage. Alors est-ce que on est. Non. Le problème, c'est que. Voilà. Donc c'est pas par là. Il doit avoir un bouton. Il me faut le bouton. Thank you.
gratté un bouton? Je pense pas. Hein? Moi j'ai envie de monter moi. Bon bah, on va essayer de passer en bas. Hein. Mais pour moi en bas c'est de la biaise. C'est de la biaise. Bon, j'ai 7 vies, donc ça va. Mais peut-être c'était vraiment bien à droite. Oh, le fils! En fait, j'avais vraiment pas été à droite comme il fallait. Ah bah bravo! Bah j'avais compris. C'est nul! Ok, super. Oh, c'est bien ça! Hein? Hein? Mais comment je fais? Non mais mec! Mais mec, ces ennemis me one-shot! Normalement. Donc en gros là, si je me rate, c'est la mort directe. Non mais c'est pas possible. Appelez-moi la note rouge s'il vous plaît. Le serait-il dégueulasse? Non. Je crois que non. Donc le jeu serait... Le jeu augmente en difficulté, là, j'ai l'impression. Non, mais tu te fous de ma gueule. Non, il continue, là. Non, mais s'il te plaît. Oh, mais vas-y, mais vraiment, t'es vraiment le pire. En fait, c'est pas, ça me dérange pas à la limite de prendre des risques pour un point de vie, mais pas pour la vie. Surtout en plus que j'ai pas de. Enfin. Y'a pas de point de sauvegarde. Ah! Non mais. Aïe, c'est bon, je suis youtubeur. Y'a pas de checkpoint! Mais mec! Oh, mais vous êtes malade! Vous êtes malade! Vous êtes malade. Pas céder à la panique. Panique, c'est mieux, c'est bien pour les autres, mais pas pour moi. Je veux dire, c'est bon. À la limite, maintenant, je suis au courant. On est au courant que c'est la panique. Voilà. Maintenant qu'on est au courant, essayons d'être, de réagir, d'avoir la bonne réaction. Une réaction appropriée. Une réaction appropriée là actuellement.
C'est bon, le jeu est pas si mal fait que ça. Enfin, pas si mal fait. Je peux paniquer. Je panique pas. Surtout là, je peux pas paniquer. Parce que j'ai presque toute ma vie. Félicitations! Merci Tyrann, merci beaucoup pour ton sub! Bien le bonjour. Bonjour. Merci. 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 Tu viens pour ce magnifique jeu d'horreur. Et tu as bien raison. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur, j'ai pas peur. Tellement j'ai pas peur. Ok. Ah, j'étais à la fin du niveau. J'étais à la fin! Je dirais rien, il va de mon honneur romain. Ah, je t'amène notre village, je te laisse. Ah oui. Zard a l'intention de le présenter au cirque de Max, cirque Maximus de Rome. Ouais. Et donc? Bon anniversaire, bien sûr. Oui, j'avais compris, oui. Enfin, j'avais un doute. Attends, mais 55 quand même? Ah oui, c'est... Alors, est-ce que le jeu se fout pas de ma gueule? Parce que la porte, elle est à gauche. Indice chez vous, porte à gauche. Pas mal fait. On retourne chez nous! Ça veut dire que je peux aller farmer! Oh! Eh ben, bon anniversaire! Bah. C'était le tunnel sous la Manche, c'est drôle. Regardez mon sourire sur mes lèvres. J'adore l'humour. Je suis tellement fan d'humour. Je suis tellement fan d'humour, vous savez quoi? Que pour vous faire plaisir, je vais pas récupérer une, pas deux, mais quatre vies. Ça, si c'est pas un cadeau. Je sais plus quoi faire. Alors, peut-être, il est vrai que là, il semblerait que je dois aller chez César pour lui péter ses dents. Il se pourrait, il est vrai, que ça sonne peut-être la fin du jeu. J'avoue. Mais, attention, n'oubliez pas que je n'ai pas tous les objets spéciaux, tout ça, tout ça. Il peut encore se passer pas mal de surprises. Alors par contre, je préviens, si le jeu se termine après le niveau, juste après, il va falloir qu'on discute de la note très sérieusement. Bah voilà quoi. Il va falloir qu'on pèse le pour et le contre.
qu'on replace le jeu dans son contexte, qu'on revienne sur le fait qu'on puisse farmer les vies, qu'on discute de la barre de vie qui est quand même assez généreuse. Oui, les hitbox sont pétés, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais au final, il n'y a pas 50 milliards de niveaux. Ce qu'on te demande de faire, c'est plutôt clair. Il n'y a pas de système de sauvegarde, ce qui l'empêchera d'avoir une note exceptionnelle. De toute façon, il ne pouvait pas avoir une note exceptionnelle, sachant que déjà... Il y a des labyrinthes. Non, en fait, c'est pas des labyrinthes, c'est juste... t'as du backtracking. Franchement, il n'y avait pas de labyrinthe, hein. C'était juste du backtracking plutôt simple. Hein. Mais on va voir, attendez. Je vous propose de ne pas en parler tout de suite. Taisez-vous! Allez, on y va. Ah, route romaine. Ah, c'est pas terminé. Donc, Oula. Oula. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah, ah, oula. Oula. Qu'est-ce que j'entends? Ah, la note qui descend, là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Allô? Je comprends pas là. Il y a un endroit. Hein? D'accord. Donc il y a un endroit où ça passe. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Dites-moi que c'est un boss. C'est dommage, quand même, j'étais en train de reparler de la note. Et là, il est en train de me faire un truc, là, le jeu. C'est-à-dire que on en est à un niveau, là. Je suis en train de me demander s'il y a des caméras cachées et ou si le jeu comprend, arrive à comprendre quand je suis énervé. C'est que là... On est d'accord que... Là... C'est pas possible qu'il faut... Non, c'est pas possible. Pas possible, là, ce qui se passe, là. Thank you.
Je t'en supplie. Je t'en supplie, le jeu. Ne fais pas ça. Oh putain. Qu'est-ce que t'es en train de me faire? Oh là là. Oh là là. Je crois que ça va pas, là. Pas faire du pause buffer. Oh, j'ai eu tellement peur. Oh, je me suis dit que le niveau, il allait jamais s'arrêter. Ok. Non mais le niveau d'avant c'était vraiment pas bien. Et la note bleue là? Tu la veux pas la note bleue en fait hein? Tu la veux pas hein? En fait tu la veux pas. Ça t'emmerde. J'en suis sûr ça t'emmerde d'avoir une note une bonne note. Vous savez que je m'énerve là? Bonjour? Bonjour? Oula! C'est bon, j'ai compris. Ouf. Ok. Ouais, c'est. D'accord. Ah, sans le vouloir, j'ai réussi à. Oh, oui, quand même. Ça. Mais vous savez que ça là. Ça là. Non. Est-ce qu'on peut pousser? Ah. Ouais. J'ai encore 0 point de vie. Ok. Non mais 5 vies, ça va. Ok. Y'a pas de temps. Y'a pas de temps. Pour récupérer... pour aller où je veux aller, donc c'est bon. Pas de peur. Pas besoin d'avoir peur. Ok.
Voilà. Ça s'ouvre. Ça va faire bouger le truc en bas, j'imagine. Petite souris. Voilà. Voilà. Bien sûr, pique dans le pied. Bien, sache, Sève, si tu es encore là, j'ai pensé à toi. Car Célia a acheté un thème sur Line. Et c'est un thème avec des dinosaures. Et ils sont tout mignons. Voilà. C'est l'info de la soirée. Ah bah oui, il y a quand même 150% de chance qu'il y a un lien avec des dinos. D'accord, yes. Ça, je ne savais pas. Maintenant, je le sais. Et ils sont mignons. Oup, oup, oup! Et ils sont pipous! Voilà, c'est ce qu'elle a dit, bien sûr. C'est vraiment ce qu'elle a dit, hein. Vous imaginez bien que. Imaginez bien que Célia, elle a dit pipou. Ça tue les souris? Ça fait ça. Ça. Ok, j'ai pas compris pourquoi ça s'est pas passé. Mais... Bon, ça, voilà. Ah! Ah! Ah, il y avait un poiré. Non, et ça passe dessus la souris. Ma souris! Là, non, je pense que là, ce que le jeu essaye de faire, c'est vraiment. Il essaye vraiment de me faire recommencer le jeu là. Autant on a rigolé jusqu'à maintenant. J'adore l'humour. Là, je suis presque sûr que le seul objectif, c'est de me faire recommencer le jeu. Mais bon. Ok. Ok. C'est une technique. C'est une technique comme une autre. Je dirais même que c'est pas grave. Parce que c'est du challenge. Il faut du challenge. C'est important le challenge. C'est important le challenge. C'est important. Je rappelle quand même que j'ai été la personne qui demandait à je ne sais plus quel jeu de me faire mal. Enfin oui, à la Galaxie de me faire mal. Donc, dans un sens. Si le jeu me fait mal, si le jeu cherche à me faire mal, est-ce que c'est pas parce que je lui ai demandé? On pourrait se poser la question. Je dirais même que c'est légitime. Je suis passé sur la souris! Je suis passé sur la souris. Je suis passé sur la souris. J'ai plus de vie.
Non mais vas-y, continue. Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Tu m'auras. Tu m'auras pas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, j'ai envie de chialer. Ouais, elle a pas l'air de toucher quand elle est immobile, ouais. Quand l'immobile ça touche pas. Sauf que bon. Enfin bref. J'ai envie de commenter ce qui se passe. Non. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est quand je fonce dans les murs, ça me pousse en arrière, en fait. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi tu viens de faire ça? Et c'est parce que en maintenant le bouton course, et t'imagines bien que tu c'est comme Mario, quoi. Tu maintiens le bouton course quand tu joues. Parce que comment tu veux jouer sans? Personne ne marche. Tu marches, toi? Non. Je suis sûr que non. Personne ne fait ça. Changer. Oh. Ah. 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 Demain, j'achète un martinet, hein, c'est sûr. Vu comment je suis en train de kiffer ce qui se passe là, obligatoirement, il va falloir acheter un martinet là. Bien sûr, oui, elles sont pas, voilà. S'il vous plaît, tous en même temps. En même temps. Tu voulais danser, hein, n'hésitez pas à danser. Hein. Ça m'énerve, ça m'énerve. Oh.
Oh, je me suis pas fait toucher. Je me suis pas fait toucher. J'ai rien dit, je me tais. Tout va bien. Actuellement, je souffle. Je vais bien. Allez. Allez, je peux pas perdre. Impossible de perdre. Personne n'a perdu ici, d'ailleurs. Le poing dans la bouche là. Actuellement, on est au poing dans la bouche là. C'est terminé. Je suis sûr que c'est terminé, là, c'est bon. Dis-moi que c'est terminé. Attendez, on ne sait pas, mais il y a une grande chance que ça soit terminé quand même. Oui, là je pense que c'est terminé, oui c'est terminé, je pensais même, c'est sûr. Ah, 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 ah. Ah mon Dieu, ah, j'ai tellement failli pleurer. Ah. C'est bon. Yes. Yes, yes, yes. Et le sang... Merci, Tom. Merci pour ces 100 bits, ça jusqu'à la fin là, je... Oh, j'ai été, mais... En fait, il faut vous dire qu'il me restait 2 vies. Si là, c'était mort, je repartais pour un dernier essai. Sinon, on devait recommencer tout le niveau avec que 3 vies. Et sinon, recommencer tout le jeu.
Il y avait un petit peu de pression. Merci Avi. Merci beaucoup pour tes 500 bits. Bon, alors je voulais en fait vous expliquer la chose très simple. Une chose simple. Avant. Enfin, une chose simple. Avant. Merci Slivo, merci pour tes 130 bits. Et merci Big Jim d'offrir un abonnement également. Merci beaucoup. On l'appelle A. Donc, avant le niveau de merde, c'est-à-dire le niveau où on était sur sur la carriole là, franchement le jeu, oui, il n'y avait pas de mot de passe, oui, c'est pas facile de. Enfin, tu meurs beaucoup, il y a des ennemis qui te tuent en un coup. C'est relou. Alors les ennemis qui tuent un coup, tu peux avec la potion magique les tuer en un coup également. Voilà, sauf qu'il faut le savoir, il faut le manuel du jeu et tout. Mais bon, essayons d'être le plus mesuré de possible. Mais merci, t'inquiète pas, y a pas de problème pour ça. Et merci Yellow pour ses 100 bits également. En étant le plus mesuré possible. Ben, le jeu n'était pas si compliqué que ça. Moi, il y avait du backtracking, mais c'était pas des labyrinthes. J'ai fait le jeu 3-4 fois en même pas deux émissions. Je partais du principe donc que c'était faisable. C'était pas le meilleur jeu, mais j'avais. Moi, ça allait, ça m'amusait. Alors, ça m'amusait. Bon. Du coup, j'étais entre l'orange et le vert. C'est-à-dire que j'étais capable. J'étais un peu sur un 3,5 mania. Vous savez, 3,5 mania, tout ça, vous avez la... Normalement, chez toi, ça, t'as la... Voilà. Ça doit faire ding. Sauf que... l'avant-dernier niveau... Bah, du coup, le niveau avec la carriole... Mais what the fuck, qu'est-ce que c'était que ça? Impossible de voir ce qu'il y avait à droite. Impossible. Pourquoi il faut mettre 3000 coups au mec? Pourquoi il y avait les... Pourquoi? Ah là 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 là, pourquoi? Bon, du coup... je penchais plus... avant de faire tout ça, je penchais plus sur le vert que sur l'orange. Donc il y a bien une shop dans le jeu. Il y a bien une shop. Mais on va lui mettre une note orange. Tout simplement parce que... je pense que c'est la note... c'est la note qui me semble le plus... la plus honnête. C'est pas un jeu pourri. C'est pas un jeu exceptionnel. Ses défauts mangent un peu ses qualités. Donc voilà. Voilà, voilà. Ça reste 3 sur 5. Hein. 3 sur 5, c'est plus que la moyenne. C'est plus que la moyenne. Allez, ça clôture mon avis sur le jeu. Donc ça va. Prochain jeu, Sword of Sedan. Une perle, mon cher ami. Mes chers amis, une perle. Quelle perle. Alors juste avant, on va se remettre en... Hop. On va se remettre en NTSC, si vous le voulez bien. Parce que bien sûr, nous jouons en pâle, hein, on n'avait pas le choix. Je vais juste reset ma capture, afin d'être... de n'avoir... aucun décalage. Et là, le top du top. Pour ceux qui ne connaissent pas Sword of Sedan, c'est un jeu d'action-aventure. Vous allez vite comprendre. La musique est pas ouf, les sons sont pas ouf, mais, ça va, vous allez voir, c'est pas... Alors pour ceux, bien sûr, qui ont vu la vidéo JDG, vous allez être en PLS. Attention, on va tester tout de suite. On peut faire une save state, donc bien sûr, meilleur jeu. Il y a une save state, donc meilleur jeu.
Alors, Sword of Sodan. De toute façon, faut le faire, hein, faut le faire. Faut le faire et on n'a pas le choix. Faut le faire, faut le faire, faut le faire. Faut le faire. Hop. Parce que c'est vraiment Sword of Sodan, ça? Mais non, c'est pas du tout Sword of Sodan, ça. Sword of Sodan. Ah, j'ai pas le manuel. Oh. Oh, Sword of Sodan, le manuel, ça doit se trouver facilement quand même. C'est juste que j'ai pas cherché. Tu te fous de ma gueule, t'as pas cherché, hein? Ah, oh, apparemment, c'est un jeu Amiga. C'est un jeu Amiga. C'est un. Ok, je. Voilà. Bon, malheureusement, notre expert Amiga n'est pas là. Et un doute qu'il le soit. Enfin, il n'est pas là, voilà, tout simplement. Et j'ai pas envie d'avoir le manuel d'avoir le manuel d'Amiga, mais je veux juste le manuel tout court. En fait, il me faudrait le manuel pour une chose, pour une raison très simple, c'est que dans le manuel, il te dit ce que tu dois faire. Enfin, dans les potions, comment ça fonctionne, parce que du coup, il y a un système de potions et tu peux mêler plusieurs potions ensemble pour faire une des d'autres potions et je suis presque sûr que ça doit être marqué dans le manuel. Donc voilà. J'aimerais. Enfin, c'est pas une soluce quoi. C'est pas une soluce. Enfin, ça vient pas d'une soluce. Donc les potions, elles sont marquées là. Je veux le manuel. Ah, il y a un PDF manual. Sword of Sodan Mega Drive. C'est parfait, ça. Tectoy. Ok, bah ça a l'air d'être bon là. C'est de l'espagnol, du portugais, du je ne sais quoi. Enfin, vous l'avez quoi? Bon. Ouais, ça a l'air. Parce que Tectoy, ça doit être. Ça doit être. C'était la Mega Drive 12 là. Là, là, là. C'est dommage. On va voir quand même s'il y a possibilité de le choper en une autre langue quand même. Jackpot! Merci Closté. Bonne soirée à toi également. Très gentil de ta part. Paf. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir. Non. Donc ça sera que. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. L'histoire des potions doit être marquée. Enfin, il doit avoir une image, un truc comme ça. On va y arriver, on va y arriver. Je veux pas tricher. Le but n'est pas de tricher. Il me dit les potions. Ouais, bah là, ça va être compliqué là. Potion magique. Ça, c'est comme l'utilisation. Type de potion. Ah, voilà. Et là, il y a des. Il te donne certains. Donc là, j'imagine quand que c'est marqué d'essayer de faire tes propres mixtures pour et découvrir les effets. Ouais, je sais lire. Ouais. Vous savez, je suis trilingue, quadrilingue. Donc il y a quand même le fait d'essayer de mélanger toi-même. Un peu triste. Polyglotte de ouf. Polyglotte de ouf. Mais la vie. Vita et éther. Ça fait une vie gratuite. Et là, tu dois faire des flammes. Bon appât à vie. Et bonne soirée au cas où. Bien sûr. Ok. Ah mais je joue là! Ah mais je joue là. Je joue. Voilà. J'ai baissé le son. Et on joue. Alors oui, le son, la musique, tout ça, oui, c'est compliqué. Éther. Et normalement, ça fait une vie supplémentaire, c'est ça? Ça me donne de la vie. Il faut que je mette pause.
Et je sélectionne, c'est ça. Et là, j'ai sélectionné. Voilà, j'ai gagné une vie. Voilà. Trop bien. Donc rouge, éther, c'est transparent. Ouais. Donc j'aurais pas dû le laisser passer l'autre. J'ai fait un peu de la merde. Alors là, vous allez me dire, oui, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Attendez. Faut que je me retourne là. Voilà, c'est bon. Comme ça. Hop. N'ayez pas peur. Je sais que j'ai le plus de portée comme ça. Ma barre de vie. Ma barre de vie. Pourquoi j'ai l'impression que... Alors j'ai fait le jeu en facile sur Console Mania 1. Voilà. Sachez-le. Donc en facile, vous imaginez que c'est plus facile. Bravo. Solaire, ouais. Je vais toucher peut-être un peu trop de fois. J'imagine qu'il y a d'autres coups. Y a des coups qui doivent faire plus mal que d'autres. Faut tester, écoutez, je vais tester. Regarde, là, j'ai fait presque moitié de barre. Magic Zapper, ok. Fait, là, j'ai la portée, mais... La portée, mais c'est nul, quoi. Ah, j'ai plus de force. Mais la barre de en bas, c'est la vie, hein, pour eux. Quand tu fais ça, ah ouais, non, mais quand tu fais ça et que ça touche, au secours. Alors, hit en bas, ça doit être ma force, j'imagine. J'avais le zapper. Alors, number 3, normal, easy. Ok. Bon, ça va le faire là. Ça va le faire. Vous avez peut-être l'impression que je suis dans la merde. Est-ce que vous avez l'impression que je suis dans la merde? Impossible. Alors, est-ce que... No effect. Yes. Ouais. J'ai l'impression, j'essaie de comprendre, hein. Comment je pourrais faire? Comment je pourrais faire sans bourrer? Parce que bourrer n'est clairement pas la solution. Si tu bourres, c'est mort. Non mais. Ne pas faire l'erreur. Non, il y a 5 niveaux, 5-6 niveaux, je crois. Il y a 5-6 niveaux.
Donc ça, c'est le zapper là. Avec ça choper. Ça se trouve, faudra essayer la fille. Peut-être que la fille est plus forte. Ah! Moi, je pensais que ça tuait tout le monde. Pas du tout. On va regarder le manuel, hein. On va re-regarder le manuel, hein. Ouais, parce que c'est pas possible. Impossible. J'ai bien dit impossible. Donc, pressionne Botao C, ouais. J'ai pas Botao, ouais. D. Donc, O, B. O, C, ça fait un. Voilà. D. Enfin, le. C'est en avançant. J'imagine que dans une direction. Ouais. Ah, c'est dommage quand même. Pas touche à haut, le bout à haut, voilà. Ouais. C'est quand même dommage de pas avoir le jeu, de pas avoir le manuel dans une langue que je pourrais comprendre. Oui, donc si je fais ça, donc direction, ça fait un coup d'estoc. Là, ça me retourne. Ah, d'accord. Si je maintiens. Non, mais. Non, mais mec, par contre, ça, non, tu vois. Ouais, non, ça va pas être bon, hein. On va pas être poteau, hein. Ça, si tu fais ça, le jeu, on va pas être poteau du tout, hein. Parce que en easy, le jeu est easy. T'imagines bien. J'ai 52 hit points. Est-ce que je suis obligé de taper tout le monde? More hit. Bah, je sais pas, j'ai envie de tester moi. Stamina. Ah, je me rappelle d'un truc. Avec les trois potions là, les trois potions d'éther, on passe un niveau. Ça, je me rappelle. Si je fais ça, 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 je saute le niveau, je crois. Ah non, c'est pas ça. Je me rappelle qu'il y a un truc avec pas trois éthers, mais trois rouges ou trois bleus. Je crois que c'est peut-être trois bleus, tu passes le niveau à autre chose. Ouais, mais sur Sega Retro, il y a le, il y a, il te dit tout, il te dit tout. L'idée c'est de, c'est d'essayer de pas qu'on me le dise. Qu'on me dise pas les... Donc là, ça fait stamina. T'as failli spoil, oui. Non, mais je suis sûr que tu es de bonne foi. Mec, c'est pas sérieux que... Oh là là, mais oh là là.
Reste loin de moi, toi. Alors, y a, bien sûr, il n'y a pas de... Y a pas de... Non mais attends. C'est pas possible. Je vous dis que c'est pas possible. Ce qui est en train de se passer, c'est pas possible, il y a une biaise. Par contre, il y a beaucoup, si sur Sega Retro, il y a des commandes, outre que les mélanges, ça c'est quelque chose que je veux bien. Pourquoi tu décides d'avancer, toi? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Et en dessous des mélanges. Oui, bon, bah à la limite, c'est ce qu'on peut faire. Regarde, on peut faire ça comme ça. Tu vois, j'appuie sur le bouton et on remonte vite fait. Et dès qu'on voit les mélanges, on ferme les yeux. Tu vois, hop. Non, mais attends. Voilà, hop, j'ai pas vu, j'ai pas regardé. Alors, side-scrolling, web player, Bingo Genie, Riten for Amiga. Mega Drive, main control, BC. Battle Saw, ouais. Player attack, dépendance de hit. Ouais. Non, mais la vidéo de JDG, c'est pas une bonne idée. En plus, c'est les premières vidéos qu'il avait faites, donc c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. Spear welding guard for example need to be attacked at point blank range white giant using high attack. Ouais, ok, ça je le savais. Ça drink potion game feature an undocumented level skip at level 5. Hop, t'as failli me enfoiré. Il a essayé de me spoiler. Je t'ai vu. C'est quand même fou. C'est quand même fou de me faire avoir à ce point. Je veux voir, je veux voir. Je vais mourir exprès. Je veux juste voir s'il y a une si grosse différence entre easy et normal. Parce que quand même, je trouve ça ouf. Oh non, c'est abusé. Oh là là, c'est tellement abusé. C'est tellement abusé. Ah bah oui. Ouais. Bon bah. Ah! Ça repousse un max. D'accord. Ça repousse un max. Donc ça sert à quelque chose. Ok. Allez, on relance. Faut tester les coups, faut tester les coups. Donc en fait, easy c'est avec la fille et normal c'est avec le mec. Ah, j'ai eu peur. Parce que en fait, si c'était ça, ça allait créer des problèmes, hein. Moi, j'aime pas créer des problèmes. Je me suis remis en facile, non? J'ai l'impression de m'être remis en facile. Voilà, 67 hit points là. Oui, là, là, c'est bon là.
Là, je suis invincible. Alors, juste éther, ça fait quoi? No effect. Donc, éther, ça doit être mélangé. Sinon, c'est la mort. Ouais, tu vois, c'est facile. Bon là, bien sûr, j'ai plus de vie. Je me fais toucher une fois, c'est la mort. Là, j'ai beaucoup joué au jeu de combat, du coup, là, comme vous pouvez voir, je maîtrise bien la range. Paf. Hop. Pas grave, là. Hop. Hop. Là, 82 hit points. Pas grave. On retourne à combien? On retourne à 25. Super. Donc tu meurs. Tu meurs, tu meurs. Hein. Ah ouais, tu meurs, tu meurs. Ah si j'y. Ah moi, Grand Blue Fantasy, quand tu veux, hein. Quand tu veux. Mais attends, mais tu joues au jeu de combat? Non! Ah, mais. Non, Azur, non, pas toi! Ah, mais je savais! Je te pensais pas comme ça! Donc il y a clairement eu un step-up là. On va prendre la fille pour essayer. Paf! Incroyable. 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 Ah non, non, mais là on est là pour jouer, hein, Kabuko, on est là pour jouer là. Ah moi je suis là pour jouer là. Sinon ça va pas marcher, hein. Alors, on n'est pas ici les deux. Flamebrand. Je fais du feu. Ah bah voilà. Ah, tout de suite on parle, hein. Ah, par contre, pour se retourner, il faut appuyer sur un bouton. J'avoue que là, je vous avoue que j'ai chaud. Ça me donne un peu chaud. Il y a deux ennemis, c'est mort, hein. Laissez-moi tranquille. Ah moi je joue pas à Grand Blue, moi je vois des gens qui jouent à Grand Blue.
J'ai arrêté le jeu de combat il y a un petit moment déjà. À la bonne époque! Mais j'ai beaucoup joué. Et du coup, j'aime beaucoup regarder le jeu de combat. Ouais, ça va vraiment être le jeu du... Le jeu, quoi. Ça va vraiment être un jeu, quoi. Non, mais... Là, vous avez peur. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui... Où il s'est foutu, sapin, là? Ne vous inquiétez pas. Poussez-vous! J'essaye, hein. J'essaye, quand même. On a essayé de jouer, hein. Alors, on a décidé de jouer. Apparemment, le jeu n'a pas décidé de jouer avec nous. C'est dommage. On a essayé jaune et jaune? Poison. Yes! Ah, yes. Ah, oui. Ah, parle-moi mal. Parle-moi mal. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est Sword of Sedan. Et voilà. Non mais. Ça va être long. Mais vous savez quoi? C'est un jeu de PCiste. C'est un jeu de PCiste. C'est un jeu de gens patients. C'est un jeu où, tu vois, les gens, ils mettent un coup d'épée, ils tirent un peu sur leur cigare, ils reprennent la souris, le clavier, ils remettent un coup d'épée, petite taf, tu vois, c'est. C'est pas un jeu de consoleux, c'est pour ça. Bah ouais. Cette mort. Comme une autre époque, des gens faisaient des jeux vidéo, pondaient et ça se disait c'est pas mal et hop on part. C'est un Souls-like, ouais. Ouais. PC, ils sont tous des vieux. À cette époque, ouais. Clairement, à cette époque, t'avais pas. Thanatos, à cette époque-là, t'avais. Les mecs, ils avaient l'Amiga. Alors, c'est même pas l'Amiga, mais les micro-ordinateurs, là, c'est. Tu sais, c'était les gens qui étaient un peu au-dessus. C'était un peu les gens de la haute. Il y avait des consoles de jeux, mais eux, ils avaient des micro-ordinateurs. Voilà. C'est pas le même. Non, c'est clairement pas le même. On n'est pas sur le même standard. Enfin, c'est pas le même standing, hein, bien sûr. Bien sûr. Ah ouais. Alors là, j'essaye de. C'est mal calme. Ah oui, c'était les. Bien sûr. Par contre, la vie. Ah ouais, non, faut faire un truc. Pas, il faut pas. Il en faut pas deux, hein. Si je fais ça, ah ouais, non. Non mais cassez-vous. Non mais cassez-vous! En fait, vous avez... Pourquoi c'est eux qui ont la lance dès le début du jeu? Est-ce que vous pensez pas qu'il y a un peu une... Il y a un peu de la triche? Que quand je l'ai pas, quand je les ai pas les deux, franchement, ça va, hein. Ah, ils sont deux. Ah, c'est chiant. Je maîtrise, hein.
Là, il y en a un qui avance, là, faut tout de suite le calmer. Si tu le calmes pas, c'est foutu. Hop. Enfin, le vrai jeu vidéo. Et là, paf. Tu peux en toucher qu'un à la fois? Oui. Bah, c'est comme. C'est. Non. Là, vous avez peur, mais c'est le démarrage. C'est au début. On est au début. On est au début. En premier, ça m'énerve. Tu m'énerves, mais je m'énerve pas. Après, peut-être les high scores, ils sont un peu. Voilà. Arrêtez! Ah, là, c'est le sweet spot. Sweet spot. Ah lui il a tout tenté lui. Il a tout donné lui. Il a tout donné lui. Ah t'as tout donné mais t'as trop donné mec. Oh là là, mais c'est pas possible! Y a des boss dans cette pépite, bien sûr. J'y crois à mort. Je suis à fond dedans là. Il y en a qui avancent. Voilà. Quand ils avancent comme ça là, faut les calmer tout de suite. Faut les calmer là, tu leur dis oh! Voilà, là je peux récupérer une vie. Bam. Voilà, là par contre, non. Non, là, ouais, non, là, non. Non, là, les mecs, là, non. Restez loin, là. Allez! Il y en a un qui avance. Hop! 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 Lui, t'es trop chaud, lui. Toi, t'étais trop chaud. Hop! Toi, t'es trop chaud aussi. Hop! Hop, hop, hop! Oh là 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 là! C'est fou ce qui se passe! C'est le chimie! C'est le chimie! C'est un jeu de combat. Hop, une vie supplémentaire. Hop, hop, hop! Dommage qu'il n'y ait pas de shop. Un peu dommage. Avec une shop, ça aurait été drôle. Ça aurait pu être un bon jeu. Mais, attends, il avance tout seul, lui. Ah, ouais. Il est chaud, lui. Franchement, pourquoi jouer à Hyrule Warriors quant à ça? Sérieusement. Regarde ça! Regarde ça! Combo! Je m'arrête plus!
T'approches trop, oh. Alors? Y en a un qui est tenté là? Hop, je vous titille! Loin de moi. Pas des rétros, tout ça, tout ça. Non, mais pourquoi il y en a d'autres qui sortent de l'autre côté? Non, par contre, ça, c'est non. Non, moi, je veux bien qu'on s'amuse. Mais si c'est pour qu'il y a des mecs qui arrivent gratuitement, non. Non, ça repop pas à l'infini. Si ça repop pas à l'infini, je mange mon chapeau. Reste loin, toi. Mais t'as pas le droit! T'as tellement pas le droit de faire ça! Le 5 stages. Excusez le jeu. Il y a eu un petit problème à un moment. Non, ça pop pas à l'infini, je te dis. Non! J'en sais rien. Mais attends, mais si c'est vrai. Imaginons ce que vous dites, c'est vrai. Comment je sors, moi? Comment je sors de là, moi? Ah, mais c'est. En fait, je sais pas. Non, mais c'est pas possible. C'est impossible ce que vous dites. Non, j'y crois pas. J'ai quand même essayé de bourrer. Ça s'est pas vu, je crois. Non! Je passerai pas en ici. Jamais je passerai en easy, jamais!
Ok, on regarde où je veux bien. Non mais. En fait, dès qu'il y a deux mecs. Dès qu'il y a deux mecs stack, c'est mort. Non mais vous savez, j'ai une idée. Le seul moyen de passer, c'est d'avoir masse de force et l'épée de feu. Si t'as ça, c'est gagné. Ça doit être ça. À la limite, voilà. Non, j'ai une idée. Là, j'essaye d'en amener un vers moi. Peut-être que là, si je fais ça, ils vont pas attaquer tout de suite. Si, bien sûr qu'ici, ils attaquent. Mais pourquoi ils reviennent en arrière, sérieusement? Mais qui a décidé ça, quoi? C'est un test. Je pense que c'est un test. C'est un test de patience. Oh! Mais l'épée de feu qui reste pas. L'épée de feu, elle reste pas. Elle reste pas, je suis pas énervé. Je suis tellement pas énervé. Non mais c'est pas possible. Peut pas être si difficile, moi j'y crois pas. Peut-être. Non, mais je pense qu'il faut farmer les potions. Mais arrête-toi! La potion rouge! La rouge! Donne-moi la rouge! Il veut pas? Je veux tout péter? Oh là là. La rouge. Fais beaucoup trop mal. Non. J'ai peur. Donne-moi la bleue. La bleue! Il va pas me la donner. Voilà. Là, c'est bon. Mon hit point là. 82, 82. Je suis beaucoup trop fort là. Ah, je vais me la couper. C'est vrai que j'avoue, on va pas se mentir, parce que moi j'aime pas mentir, mais
quand tu perds le personnage que tu as monté, bah après, t'as pas trop envie de recommencer, tu vois. Parce que là, quand t'as 3 éthers, et bah, bah voilà! Qu'est-ce que je m'en fous de la limonade? Qu'est-ce que je te... Oh! Oh! Nouveau record. Merci. Merci Quev. Merci pour ton hosto. Plaisir. Bienvenue. Ah là, vous venez, vous arrivez vraiment, mais je pense, j'ai jamais eu autant, il n'y a jamais eu autant de fun sur cette chaîne. Asseyez-vous, prenez un siège. Je suis désolé pour vous. Je suis vraiment désolé pour vous. On s'excuse, hein. Vraiment, on s'excuse. Non, 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 du bleu. En fait, c'est les raids. Ah, je sais pas, en fait. Bah, je sais pas. Bah, Twitch a un petit bug, c'est pas grave. C'est pas comme si ça arrivait souvent. Allez. Allez, je fous la pression là. Ah. J'étais en mode, je fous la pression. Ah, c'est la pression là! C'est la pression là! Jamais autant de pression là! Oh! Ouais, on a fini un niveau! Wouh! Tout le monde à poil! Break the sim crossing. Ok. Watch shoot the spike! Oh! Oh! Merci Big Jim! Merci pour ces 100, pour ces 100 bits! Ouais. Ah bah là, j'avoue, il a raison, on pourrait faire une safe state. J'avoue, mais j'avoue. J'avoue qu'une safe state là. Oh, j'ai un shield! Oh! Mais attends, mais c'est pété! Je pétais. Jeu gratuit? Jackpot! Merci El Santanas, merci pour tes 200 bits, regarde, je m'arrête plus. Pas de pique, s'il vous plaît. Pas de pique juste où elle est, s'il vous plaît. On lui met la pression, on lui met la pression! Ouais, shoot! Ouais, shoot les trappes, hein! Ouais, shoot! Mais arrêtez! Les mecs avancent, mais ils ont rien à faire! Non, la patience, la patience. Donc, on est au courant. Oh, oh mon Dieu. Cassez-vous! Cassez-vous! Oh non.
Shield. Allez. Non mais les mecs. C'est une blague. Elle est où la caméra? La caméra cachée! C'est bon. Yes. The City Street, Elfast. Ouais, bon, y a des méchants, quoi. Ah, alors attendez. C'est juste pour voir. C'est juste pour. Parce que, de toute façon, on va mourir. On va mourir. Autant faire la save. C'est juste pour vous faire voir. Parce que là, 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 en fait, vous allez me dire. Là, ouais, voilà, je savais ce que vous allez me dire. Mais vous inquiétez pas. Là, le niveau, le jeu est terminé là. Jeu terminé. Jeu est terminé. GG. Merde. Pourquoi avoir choisi ce jeu? Bah parce qu'il faut le faire. Dans la liste parce que c'est bah parce que ça fait très Halloween quand même, non? Non, on trouve pas. Ils mettent la pression, ils mettent la pression, ils mettent la pression. Ils mettent la pression, moi j'ai pas peur. Ouais, bah c'est parce que faut jouer quoi. Enfin voilà. Vous savez. Parfois faut un peu de surprise. Enfin faut. Faut avoir. Voilà, faut savoir mettre un peu de. Faut se faire peur, tu vois. Faut se donner des objectifs dans la vie. Hein? C'est ça, non? C'est ce qu'on dit, hein? Là, 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 là. Donc là, ce qui se passe. Je vous explique. Je fais ça. Puis après, je fais ça. Puis après, je fais ça. Non. Ah, je fais la mort. C'est la mort. C'est la mort qui m'a tué. Mais j'ai pas peur. Ah ouais, là par contre j'ai un peu peur. Là. Non, j'ai trop, j'ai voulu trop. Clairement, j'ai voulu trop me la péter. Non, par contre, non! Hop! Buvez chez vous, hein! Hop! Et niveau terminé. Ah non, pas du tout. Ah oui, alors oui, alors oui, c'est, alors oui. Alors là, vous allez me dire... Non, mais là, c'est de la triche, là. Oui, alors, non, mais je connais. Je connais ce moment. En fait, faut les faire tomber. Sauf que j'ai pas la portée. Il faudrait le shield.
Non mais les mecs. Ah ouais. Mais vous avez pas le droit, les mecs. Ah non, mais vous avez pas le droit, vous. On s'amusait, je me suis... Oh, je me suis amusé, je me suis tellement amusé. Il aurait fallu garder une potion de shield. On peut backseat? Non, mais normalement non, mais je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire qu'on peut, pour les tuer, il faut les mettre à genoux. Si c'est ça ce que tu veux me dire. Non, pas du tout. J'allais dire joue mieux. Ah, bah tu peux backseat alors. Si c'est pour ça, ça va. Ça fait plaisir. Moi j'accepte les conseils, hein, pas de soucis. Hein. Pas de soucis. Hein. Surtout les conseils qui peuvent m'aider. Bah alors, après, voilà. Je tiens à vous poser une question. Là, il est 20h, 20h52. Il y a 5 niveaux dans le jeu. On est déjà au troisième. Alors qu'il y a 20 minutes, on était en train de se demander comment on allait faire pour les premiers ennemis. Est-ce que finalement, là, vous n'êtes pas en train de vous dire, ouais, mais on surestime le jeu. Hein, vous surestimez le jeu, là. Je sais que vous surestimez le jeu, là. C'est pas bien. Je crois qu'il y en a que 5. Il faut de l'éther. L'éther? Les mecs? Donnez-moi la potion que je veux! Merci. Oh non. Oh, elle est morte. C'est le gars. Il y a longtemps. Ouais, il y a un petit moment quand même. Y a une petite heure, quoi. Alors là, on va la jouer. Très bien. Non mais mec, tu me prends pour qui toi? Donc là, is ok. Is ok? Oh oui! Oui! Oh là là, c'est magnifique! Pouah, le jeu trop bien! Ah, j'adore ce jeu! Le fais bien, hein? Oh! Qu'est-ce que je le fais bien? Génie. Génie. Alors voilà, là, par contre, je me rappelle au cimetière, faut bourrer. Au cimetière, faut bourrer. Alors, voici comment on faut faire. Tu te mets comme ça. Là, 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 là. Là, tu bois et tu bois là. C'est quand tu tues un zombie, il t'envoie des trucs. C'est chiant. Ah ouais, c'est chaud là.
c'était chaud là. Comment ça, tu te rappelles? Je me suis déjà infligé. Oui, je me suis déjà infligé ce jeu, ouais. Pour le premier console Mania, ouais. Ouais. Bon, bah, je vais réapprendre le portugais 2 secondes. Alors, le portugais. Donc là, ils disent. Donc, zombie graveyard. Ah non, il n'y en a pas que 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Il y a 8 niveaux. Bah, entre 5 et 8, ça fait. C'est pareil. Donc là, on était. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça va, ça va. En vrai, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. On va recommencer le jeu. Parce qu'il est 20h57 et bah, il est 20h57. Voilà. Et je vais essayer de maîtriser un peu plus le. Essayer de monter mon personnage. Essayer de jouer un peu plus stratégique. Parce que. Alors voilà, je vous explique. Là, vous allez me dire. Mais attends, Sapin. On va pas recommencer le jeu. Alors, si. Mais. N'aie pas peur. Je sais ce que je fais. Déjà d'une, parce que je suis un professionnel. Bien sûr. Parce que t'as pas envie de le faire, déjà. Toi aussi. Je suis sûr que chez toi, t'as pas envie de le faire. C'est un peu la saison des persos en slip. Alors, c'est plus une toge qu'un slip, j'ai l'impression, quand même. Alors là, il faudrait une potion bleue. Là, si, il me faudrait une potion bleue. Absolument. C'est un pagne. Bah, c'est une toge Bermuda. Non? Et tu l'as fini la première fois? Bien sûr. Entendu que j'ai fini la première fois. C'est comme Dark Castle. Parce autant aller dans tous les jeux du JDG, si vous voulez, on peut y aller, hein. Si ça vous fait plaisir, moi j'y vais, hein. Oh, c'est une formalité, formalité. Non, mais c'est juste que bah c'est des jeux compliqués. C'est des jeux pas qu'il faut savoir apprécier. Et bah c'est pas facile de. C'est un jeu qui se laisse pas apprécier facilement. Et là, celui-ci là, moi je vous le dis, pour l'apprécier, va falloir vraiment servir du système de potions et il va falloir que je mélange un peu plus. Faire des petits mélanges et tout. Je sais qu'il y a des mélanges intéressants. Vous connaissez ça, les mélanges. On a tous eu 18 ans. Hein, Guilla? Les mélanges. Tu vois ce que je veux dire? Wink, wink. Allez. Allez. Petit cercueil, voilà. C'est bon, vous l'avez. Allez. Que j'arrive à pouvoir partir vraiment juste après. Ouais, non. Je peux pas bourrer et partir.
C'est prendre trop de risques. Après, ça me met bien, mais bon. Ça me donne l'ascendant. Alors, parfait. Donc là. Là, je suis bien, là. Bon, j'ai zéro vie, mais je suis bien. Vous avez vu? Vous avez vu? Il y a 30 minutes, on savait même pas comment... On savait même pas comment faire. Je vous dis, je vous dis, je vous dis. Je... Par contre, non, non. Ah ouais, non, là, par contre, non. Non, je l'ai fait en facile la première fois. C'est ça le problème, en fait. Et que comme je l'ai fait en facile, bah c'était... Attention. Plus facile. Waouh. Mais mec! Waouh. Ouais, mais là, c'est chaud. Ce niveau, c'est chaud. Ce niveau, c'est... Mais c'est parce que là, c'est pas pareil. C'est le vrai console mania, là, si vous voulez. Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai essayé. Calme-toi bien, toi. Y a pas les mélanges dans le manuel en portugais. Il y a deux mélanges. Il y a le rouge blanc. Et jaune blanc. Donc jaune blanc, ça donne épée de feu. Et rouge blanc, ça donne une vie. Enfin, rouge transparent, mais... Voilà. Tu vois, hop. Faut tester. Et là, maintenant, on sait que bleu-blanc, ça donne pas rouge. Voilà, je vous le dis, parce qu'on pourrait faire la bonne blague, j'adore l'humour. Mais non. Hein. Là j'ai un shield, hein, donc je suis bien là. Par contre, il me donne rien. Par contre, le jeu, il veut pas me donner de potions. Ça, c'est vraiment pas bien, ça. Ça, c'est... T'es vraiment un petit. Hein. T'es vraiment un petit fils, le jeu.
T'es vraiment un petit fils. Pour pas que je bourre, le jeu, il m'a... Pour pas que le... Ouais, pour pas que je bourre, il préfère me les briser. Il préfère me calmer, pardon. Donc, on va lui briser. Ok. Là, normalement. Tout va bien. Je maîtrise. Non! C'est quoi le mélange pour passer le niveau? Je sais plus. Mais en fait, je crois que c'est pas. Pff. Je crois qu'il y a un mélange pour passer le niveau. Hein. Donc là, 3 vies. En fait, je sais par contre, à un moment, il y a des trous et il faut sauter dans un trou pour sauter un niveau. Et ça, je le sais. Alors oui, c'est de la triche, tu vas me dire, mais bon, nique. Autre chose à faire, hein. Ah ouais, là, si t'as pas de... C'est chaud. Ah non, quoique, il se lève pas. Ok. C'est une fois et après ça se relève pas dessus. Ok. Non, 3 fois. 3 fois peut-être. 3 fois. On maîtrise! Cette maîtrise, bien sûr. Bonne soirée, Hello Croc. À demain. Et puis tout ça. Donc je sais pas ce que ça fait de rouge. Et si on testait? Allez, ça me fait plaisir. C'est pour moi. Petit cercueil. Allez, hop. Ok, donc ça n'a rien fait de spécialement intéressant. Comment ils ont peur là? En fait, il peut pas m'attaquer là. Que si je fais ça. Voilà. Là 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 là! J'ai 4 vies encore. J'ai 4 vies. Non! Non! Le jeu vidéo! Non, pourquoi tu me fais ça? On était amis pour la vie! Ouais, c'est bon. Top maintenant. Hein? Mais il y avait marqué Washoot! Ouais, mais non, je suis mort tellement comme il fallait. Enfin, non, enfin, fou. Tellement pas le droit de mourir comme ça. Donc eux, ça va.
Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me construire un petit peu de puissance. Un peu de puissance. Ah, poussez-vous, poussez-vous. Heureusement que tu peux les repousser, hein. J'ai vu l'autre derrière. Vais m'en occuper tout de suite. Non. J'ai dit, on se calme! Il me faut de la bleue. Il va jamais me donner de bleu. S'il te plaît. Je consomme. Oh! La bleue! La bleue, la bleue, la bleue, la bleue. Oh, la belle bleue! Comment ça? Mais attends, mais. Hein? Mais il y avait pas ces ennemis! Pourquoi ils arrivent? Ils se sont trompés! Le jeu, il s'est trompé! Il est en train de se payer ma tête! Mais pourquoi tu me donnes... Qu'est-ce que tu fais? Ah, le bleu. Le bleu, maintenant l'éther. Voilà, et là il va me donner que du bleu. Je te déteste, mais je te déteste tellement. Je te déteste. Donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais pas arriver à tuer l'autre. Voilà. Oh, oui! Oh! Oh, merci! On vient là, toi. Oh, oui! Magnifique! Voilà, et là, petite save state. Voilà, petite save state, parce que de toute façon, il est 21h14 et c'est le moment d'arrêter. Voilà. Ce jeu, il est, mais il est... Pff, il est facile, il est facile. Est-ce que vous le trouvez pas facile? Pas de souci, pas de souci. C'est un peu... En fait, c'est un peu pété et en même temps, c'est pas pété. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pété, mais... Enfin, vous voyez? Vous voyez, voilà. C'est pété en même temps, non. Voilà, voilà, voilà. C'est une île. Hein? C'est facile, c'est... Hein? Je l'ai pas, là. Pas pété, hein? Pas compris. J'ai pas compris. J'aimerais, hein, mais là, vraiment, là, voilà. On s'arrête là? Est-ce qu'on s'arrête là? Ah, si t'avances pas... Oh, ouais, si t'avances pas, t'es pas bien. C'est... En fait, ce qui est chiant,
Si je mets sur eux, ils me laissent passer. Et en même temps, non. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, il me touche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que... Attends, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de difficulté? Et qu'en fait, pour passer le niveau... Non. Ça serait marrant quand même, ça. En fait, le jeu, le niveau n'existe pas, là. Allez, on s'arrête vraiment là. On s'arrête vraiment là parce que là, au bout d'un moment, ça commence à être... ça commence à être un peu trop simple. Je me demande vraiment même s'il faut pas poser la manette tellement que c'est un peu simple. Voilà, c'est trop. On va trop loin. Allez. Du coup, de toute façon, on a la save ici. Hop. C'est indécent. C'est vraiment indécent. Ça met pas bien. Est-ce qu'on peut mettre la musique? Voilà, vous aurez la musique, c'est parfait. En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir été là. Merci encore, Kouef, pour ton host. C'est très sympathique de ta part. Je vous mets 5 minutes de pub. N'hésitez pas à rester pour 5 minutes. Ça fait partie de la rémunération. Hop. Bon appétit si vous mangez à cette heure-ci. Demain, on se retrouve pour finir Mario Galaxy. On démarrera sûrement un nouveau jeu. Un nouveau jeu s'appelle Mario Odyssey. Vous allez voir, on m'a dit qu'il était pas mal. Donc voilà. Et merci encore d'avoir été là. Des bisous.